Good morning, Aliden. Et tu seras aujourd'hui le Nishmat à Moriona, Ben Chana, Peggy, Bat Esther, Zabat Mazal Tov. Je suis porté ici, mon Batlouni, Michael Novikov, et aussi l'Irfouat, Ruth, Bat Claudine, Traina, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Shvuot, Perik, Bet, Mishnah, Hey. Rabbi Eliezer Omer, Hasheretz, Vene'alam, Mimenu, Al Heilem, Sheretz, Chayav, Veno Chayav, Al Elem, Mikdash. Rabbi Akiva Omer, Venala Mimenu Vehutame, Al Elem Tuma Chayav, Veno Chayav Al Elem Mikdash. Rabbi Shmuel Omer, Venelam, Venelam, Shtei Peamim, Le Chayav Al Elem Tuma, Val Elem Mikdash. La dernière Mishnah qui va traiter de la chote de celui qui entre impur dans la Zara ou qui mange de la viande Kadosh alors qu'il est lui-même impur. Avec une précision, une notion qu'on a parlé pour le moment depuis le début de la Massechet, et on va prendre qu'en réalité, ça fait l'objet d'une discussion, pas tout le monde est d'accord avec, et on commence tout de suite, on lit, on traduit, puis après on va faire de l'ordre. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer enseigne, le pasouk nous dit dans Vaikrahe, Hasheretz venerlam mimenu. Dans Vaikrahe, le pasouk nous dit, excusez-moi, voilà. Onefesh. Onefesh. Et encore, le Perekhe commence comme ça. Venefesh kitlecheta. Une âme, quelqu'un qui fautera. Et je saute, je passe directement, ça nous concerne, ça, on aura besoin de Sipsukim pour la suite, pour Shavuot. Mais en tout cas, pour le moment, Onefesh achertiga bechol davar tamé. Ou une âme qui touchera toute chose impure. O benivlat chayat mea. Ou qui touchera un cadavre de chaya. D'un animal sauvage, non domestiqué, tmea, qui est impur, donc, parce que tout cadavre est impur vie. O benivlat behema tmea, ou encore le cadavre d'un animal domestique mort, donc, qui est impur. O benivlat sheretz tame, ou encore il touchera un cadavre d'un sheretz, d'un reptile, d'un rongeur, qui est impur. Venela mimenu. Et il a oublié, il a su qu'il a été impurifié, puis après il a oublié qu'il a touché la chose. Et donc, Veutame, Vehachem, et il est impur, et il a fauté, soit il a fauté parce que Berfilat Kodesh, ou Bebiat Migdash, Rachid explique, il a fauté parce qu'il a mangé de la viande qui était Kadosh, ou parce qu'il est entré au Bet Migdash. D'accord ? Rabbi Eliezer, lui, déduit de ce pasouk, Hasheretz Venela Mimenu. Vous avez vu l'insistance ? On a dit quelqu'un qui touchera quelque chose qui est tamé. Quelqu'un qui touchera un cadavre d'un animal mort, ou il touchera, ouais, domestique, non domestique, ou un animal d'un chéretz, hein, ou un cadavre de chéretz, un rongeur mort, un deshmoné shratzim. Quel est l'intérêt de cette insistance? Alors Rabbi Eliezer déduit une halakha. Al elem chéretz chayav, veno chayav al elem mikdash. Il déduit une première halakha, qu'il est Chayav, il est condamnable s'il oublie qu'il a été impurifié par le Sheretz, en touchant le reptile mort. Veno Chayav Alel Mikdash, mais il n'est pas condamnable, il n'est pas passible du Chiyuv Korban. Ouais, la suite de la Gemara, c'est expliqué qu'il devra apporter le fameux Korban Olev et Yored. Quand il entre au Bet Mikdash, avec Yesham Lachat Melev, Veit Vadash, Chata Alav, Veit Hashamo Lachem. On parle de Chatat, je ne sais pas pourquoi. Ah! D'accord. D'accord. On parle du khatat, du fameux khatat de Olev Yored. D'accord. En tout cas, pourquoi Alelem Sheretz Chayav, Veno Chayav Alelem Mikdash? Il est passible s'il a oublié qu'il a été impurifié par le Sheretz, mais il n'est pas Chayav d'apporter le Korban s'il a oublié que c'est le Beta Mikdash. Ouais. Donc, la première notion qu'on apprenait, Shteim Shen Arba, qu'il n'y a pas de différence entre oublier que je suis moi-même impur et j'entre au Beta Mikdash. Ou me souvenir que je suis impur, mais j'oublie que c'est le Bet HaMikdash. Je suis entré dans un endroit, je ne savais pas que c'était déjà le Bet HaMikdash. Eh bien, Rabbi Eliezer, lui, discute sur ça, il n'est pas d'accord avec ça. Il nous dit, il déduit du pasouk que tu n'es chayav, que si tu te souviens que c'est le Bet HaMikdash, mais toi, tu oublies que tu es impur. D'accord ? On apporte une grande précision tout de suite après, mais d'abord, il faut voir Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, Ve'ne'alam mimenu ve'hu tamé. Lui, Rabbi Akiva, déduit de la suite du passage qui a marqué Venela mimenu veutame, qui a marqué donc, c'est le
pas benivlat sheret tamé venela, mais sur le venela mimenu vrotamé. Et déduire Rabbi Akiva une alacha venela mimenu vrotamé al helem tuma chayav veno chayav al helem migdash. Apparemment, Rabbi Akiva semble répéter la même chose en nous disant que l'insistance du pasuk elle est venue t'apprendre, donc il déduit plus en fait des trois exemples, mais uniquement sur le venela mimenu vrotamé, que le pasuk il est venu t'enseigner que si tu oublies ton impureté et que tu entres au Beth Amikdash, tu es passible d'un korban, mais al-elem tuma, al-elem migdash, si tu oublies que c'est le Beth Amikdash, ouais, tu n'as pas fait attention que c'était le Beth Amikdash, tu as oublié que cette partie-là, elle a déjà été sanctifiée avec la douche du Beth Amikdash, alors là, tu ne seras pas passible d'un korban. Donc on a un petit problème, c'est que Rabbi Akiva semble répéter la même chose que Rabbi Eliezer. Ouais, en quoi ils discutent? Attendez, d'abord, on va continuer le troisième avis, comme ça, lui au moins, il sera clos. C'est comme ça que qu'on retient pour la lacha, c'est le troisième avis. Rabbi Shmuel Omer, Venerlam, Shnei Pe'amim. Il y a dans le pasouk qui a marqué deux fois le mot Venerlam, Imenu, Ve'utame, Okiga, Betumatadam, Lechol, Tumato, Hashemrit, Maba, Venerlam, Imenu, Ve'uyada, Ve'Hashem. Le pasouk ensuite, le pasouk d'après, il reprend un autre cas d'une autre Touma, en nous disant si, Venerlam, Imenu. Du fait que je t'ai répété deux fois le mot Venerlam, Venerlam, je t'ai dit le mot deux fois, venelam, venelam, c'est qu'il a oublié, ouais, quelque chose qui a disparu de sa tête, donc il a oublié. Le chayav al elem tuma ve'al elem migdash. On est venu inclure par là que tu es passible, que ce soit le cas où tu oublies ton impureté, ou le cas où tu oublies que c'est le bet migdash en te souvenant de ton impureté. Donc ça, c'est la vie de Rabbi Shmuel, ce qu'on a appris depuis le début de la Masechet, dans la première Mishnah, qu'on a répété aussi dans la première Mishnah du Perek Bet. Ça va selon Rabbi Shmuel. Tandis que Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer ne sont pas d'accord. Ils pensent tous les deux que si on oublie, si on se souvient que l'on est tamé, mais on oublie que l'on entrait au Beth Amikdash, on oublie que c'est le Beth Amikdash, donc on ne sera plus passible d'un korban. On est passible d'un korban que si on oublie qu'on est impur, mais pas si on se souvient qu'on est impur. D'accord ? Maintenant, comprendre la différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, alors là, il y a une petite nuance importante, car Rabbi Eliezer, lui, il requiert une condition assez difficile pour être passible d'un korban. En réalité, donc, il va toujours dispenser. Selon Rabbi Eliezer, comme ça la Gemara l'explique, le pasouk a insisté sur trois sortes de touma. Est-ce que j'ai touché une nevela, ou est-ce que j'ai touché un sheretz? Et ça, ne'elam. Donc, selon Rabbi Eliezer, savoir que je suis impur, mais sans savoir à cause de quoi je suis impur, ouais, je sais que j'ai touché quelque chose d'impur, mais je ne sais pas, est-ce que c'était un cadavre d'animal ou est-ce que c'était un cadavre de chéretz. Or, le chéretz et le cadavre d'animal n'ont pas les mêmes propriétés, ils ont des niveaux d'impureté différents. Le chéretz, il est métamé kesehora, le cadavre, il faut un kazaït. Ouais, pour le chéretz, il faut qu'il y ait une petite quantité de l'équivalent d'une taille d'une lentille. Tandis que le nevela, ça impurifie, si je le touche uniquement, s'il y avait au moins un kazaït. L'équivalent d'un volume d'une olive. Donc il y a des halachot différentes entre les toumot, étant donné qu'il y a des différences. Selon Rabbi Eliezer, je ne suis passible du korban que si je sais par quoi j'ai été impurifié. Si je sais uniquement que je suis impur, mais je ne sais pas par quoi. J'ai touché quelque chose, mais quand j'ai touché, je n'ai pas fait attention à ce que c'était, et il y avait deux personnes qui me disent, il y avait de l'impureté. Est-ce que j'ai touché le sheretz, ouais, le reptile mort, ou est-ce que j'ai touché le morceau de nevela? Ça, je ne sais pas, personne ne sait. Et bien dans ce cas-là, je ne serai pas passible du korban selon Rabbi Eliezer. D'accord ? C'est là la petite différence. On fait très rapidement le Bartenora. Rabbi Eliezer Omer, Asher etz venelam, il déduit du fait que le pasouk a dit le reptile, venelam, il a oublié. Damar kra, le pasouk nous dit, O benivlat sheretz tamé, venelam imenu. Ou bien qu'il a touché la nevela, un cadavre d'un sheretz, d'un reptile mort, d'un rongeur mort. Venelam imenu, il a oublié. Vekrayeteraou, c'est un pasouk supplémentaire. Pourquoi? Car le pasouk a déjà introduit que toute personne qui touchera toute chose qui est impure. Alors pourquoi tu me répètes et tu me précises tellement? Vesheretz bichlal tamé davar tamé, ou le sheretz, ouais, les shmoné shartim, ces reptiles rongeurs, c'est aussi quelque chose d'impur, c'est explicite. Dans la parasha, je crois, de Shmini, c'est explicité. Elle a la mettra. On a insisté ici en te le répétant. Pourquoi? Pour t'enseigner. Sheim yada shenitma vadai. Si il sait qu'il a été impurifié, il a mis le doigt dans une armoire et il y avait là-bas quelque chose, il a touché quelque chose qui était un petit peu moelleux, mais il ne sait pas quoi.
Veno yodea, et il ne sait pas, im becheretz im benevela. Est-ce qu'il a touché? Est-ce qu'il a touché un sheretz, un reptile, un rongeur, ou bien une nevela, un cadavre d'animal? Eino chayav korban imachal kodesh. Oui. Il ne sera pas passible d'un korban s'il mange du kodesh, s'il mange de la viande kadosh. Jusqu'à qu'il sache précisément au moment où il a été impurifié, par quoi il a été impurifié, est-ce que c'était par le sheretz, est-ce que c'était par la nevela, le cadavre de l'animal. Et Rabbi Akiva savar, et Rabbi Akiva pense, j'ai fait why pendant que j'ai lu parce que j'ai fait attention, je pense que j'ai dit une petite erreur, mais je suis sûr que j'ai pas vu comme ça dans Tiferet Israël, j'ai l'impression qu'il y a une petite discussion, je vous expliquerai après. Et Rabbi Akiva savar, et Rabbi Akiva pense, que Kevan Deyada Vadai Shenitma, étant donné qu'il sait pertinemment qu'il a été impurifié, j'ai touché quelque chose, j'ai mis le doigt ici, est-ce que j'ai touché la Nevela, est-ce que j'ai touché le Sheretz, j'ai pas fait attention, mais c'est sûr que j'ai touché quelque chose. Alors, Vadai, ou Yodea Vadai, je sais pertinemment que je me suis impurifié, Avalgav de Loïd Berira Lea Touma, même si je ne sais pas, j'ai pas éclairci quelle était la Touma, l'Id Barer, ouais, éclaircir. Par contre, tous les deux dispensent si j'oublie le Elem Mikdash. Non, il n'y a pas de way. J'ai résolu mon erreur. Donc, je ne vais pas vous en parler. Vetarvayu, en tout cas, les deux dispensent de Korban. Si toutefois j'ai oublié que cet endroit-là c'était le Beth Mikdash, mais je me souviens que je suis impur. D'accord ? Rabbi Shmuel impose, il rend passible d'un korban, c'est-à-dire que j'oublie que j'étais impurifié, ou que j'oublie que je me souviens que je suis impur, mais que j'oublie que cet endroit est le Beth Amikdash. Bien sûr, le problème qui s'est passé en fait en off, que j'ai cru que j'avais une petite erreur en fait, non, que j'ai corrigé, c'est tout simplement, je rappelle, tout le monde est d'accord aussi qu'au même titre que je suis passible d'un korban si je mange selon les conditions requises, si j'entre au Beth Amikdash, il en va de même si je mange de la viande kadosh. Ouais, que selon Rabbi Eliezer, je serai passible du korban que si je me souviens par quoi j'ai été impurifié. Selon Rabbi Akiva, ça suffit que je sache que j'ai été impurifié, mais quand même, selon tous les deux, il faut nécessairement que je me souvienne que cette viande-là, elle est kadosh, mais que moi, j'oublie que je suis impur. Par contre, si c'est le contraire, je me souviens que je suis impur, mais j'oublie que la viande est kadosh, je ne serai pas passible d'un korban, et Rabbi Ishmael me rendra passible d'un korban. Valacha que Rabbi Ishmael, elle a été établie comme Rabbi Ishmael, et... C'est tout pour le Perek Bet. On a clos le sujet de Yediot Atouma, de celui qui entre impur au Beth Amikdash ou qui mange de la viande. Et dès demain, Bezrat Hashem, on commence le vif du sujet Shvuot Shtaim. On va commencer à prendre les différents cas de serment qu'il y a dans la Torah, juré. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov, c'est là.